Alors, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salam ala ashraf al-mursalin. Donc, cette vidéo concerne donc le chapitre 3, guide d'onde. Dans les vidéos précédentes, on a étudié les lignes de transmission. Voilà. Donc, je pense les lignes de transmission. OK. Et le principe d'une transmission. Et le chapitre 2, c'est on a donné quelques notions sur le principe de la bague de Smith et avec l'adaptation avec un step. Je rappelle, les lignes de transmission, donc elle fait l'objet de la propagation, bien la transmission de l'information, et elle est sous forme électrique. Donc elle est conditionnée par ce qu'on appelle l'onde tension courant. Alors que dans le guide d'onde, qui fait l'objet du chapitre 3, la propagation elle est sous un aspect électromagnétique. Donc, onde, champ électrique, couplé avec un champ magnétique. Donc, je répète, ligne de transmission, onde courant tension, onde guide d'onde, onde électromagnétique. Alors, je lis. Donc, les guides d'onde rectangulaires, ce sont des tuyaux métalliques à l'intérieur desquels se propagent les ondes électromagnétiques en se réfléchissant sur les parois métalliques. Donc, vous avez cette structure-là métallique. Section carrée, donc à l'intérieur il y a un diélectrique entouré par un conducteur. Donc les ondes se propagent par réflexion sur les parois métalliques. Voilà. Donc la section transversale, hein, donc on aura un diélectrique conditionné par epsilon d mu d conductivité sigma d et le conducteur par epsilon c mu c sigma c. Donc epsilon c'est la permittivité, mu c'est la perméabilité. Voilà. Ça c'est le principe de base. Pour la modélisation de la propagation des ondes électromagnétiques dans les guides d'onde rectangulaires, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on entend par modélisation? C'est-à-dire, on a la structure physique, on a le phénomène physique, mais on a besoin des équations paramétriques qui donnent le fonctionnement mathématique qui exprime le sens physique de la chose. Donc, on va placer pour cela donc, la structure métallique, guide d'onde rectangulaire, en coordonnées cartésiennes. Donc la section les suivant z, y et la propagation les suivant x. Donc on suppose que x elle est illimitée. Donc il n'y a pas de limite. Donc on va polariser notre onde de composantes EZ et EY. Bien sûr, EZ elle est associée à HY, hein, c'est le contraire, et à EY il est associé à HZ. Qu'est-ce qu'on va faire? Nous considérons l'équation d'onde en régime harmonique établie dans les sections précédentes. C'est-à-dire, ça c'est ce qu'on appelle on a vu dans la radiocommunication l'équation d'onde. Elle peut être exprimée par cette expression dans le cas de. Il n'y a pas de perte, ok? Il n'y a pas de perte ni de charge, ok? Sigma égale à 0, rho égale à 0. Donc, gamma représente tout simplement le coefficient de propagation complexe. Donc, il peut être mis sous cette forme-là. Moins oméga au carré, la puissance angulaire, que multiplié epsilon p fois mu. Donc, en général, on peut considérer, gamma, donc gamma dans ce cas, non, il y a des pertes, non. S'il y a le bêta, pardon, je m'excuse, s'il y a le bêta, il n'y a pas de perte. S'il y a le gamma, si, il y a des pertes, parce que gamma, la partie réelle, c'est une atténuation due aux pertes plus g bêta 0 qui représente la propagation. Voilà, à ce moment-là, epsilon p, donc c'est un epsilon qui conditionne les pertes dissipatives, c'est-à-dire par effigeoule, dans l'intérieur du guide. Hein. C'est-à-dire epsilon moins g sigma sur oméga. S'il n'y a pas de perte, sigma égale à 0, à ce moment-là, epsilon p est égal à epsilon. Et à ce moment-là, on peut dire que gamma 0, c'est égal à bêta 0, tout simplement. C'est égal à bêta 0, voilà. Alors, donc, constante de propagation complexe. Constante d'atténuation hyperparamètre, bêta 0, la constante de propagation radian paramètre. Voilà, donc je répète, cette structure, tant qu'on tient compte des pertes sigma d dans les diélectriques et des pertes de conductivité sigma c, donc on aura affaire à un gamma, gamma qui représente la constante de propagation complexe, tout devient complexe. Voilà, c'est pour cela qu'on aura affaire à la présence de alpha, sinon il n'y en a pas de alpha, s'il n'y a pas de sigma. Voilà, on a tout simplement A, gamma 0 sera remplacé par B. Zéro. Voilà. Alors, selon les considérations de la figure, on peut développer justement l'équation précédente, celle-là. Donc, on va décomposer suivant Vx, suivant Y, suivant Z. Donc, suivant X, suivant Y, suivant Z. Donc, on aura
cette expression-là, voilà, ce système-là, suivant x, suivant y, suivant z. Donc le Laplacien de x, tout simplement, il est égal à comme ça. Donc tout ce qui est dérivé, deuxième dérivée partielle de x par rapport à x est au carré, y au carré, z au carré. On fait la même chose par rapport à y, on fait la même chose par rapport à z. Donc ce n'est pas vraiment difficile. Donc là, on a un phénomène physique, une réalité qu'on est obligé de tenir compte. Dans ce qui va suivre, nous supposons que l'onde électromagnétique se propage dans le mode TE, transverse électrique. Qu'est-ce que c'est que le mode TE, transverse électrique? C'est-à-dire que la propagation, elle est transverse. OK? C'est-à-dire que la composante longitudinale du champ électrique est nulle. Voilà, il n'y a pas une propagation longitudinale. Donc, il y a juste transversale, pas longitudinale. Comme la direction de propagation sur X, donc la composante longitudinale s'annule. Donc, EX égale à 0. Donc, en général, le mode TE, on l'appelle aussi type EH, EX égale à 0. Le mode T1, transverse magnétique, on l'appelle aussi de type E. À ce moment-là, HX égale à 0. Donc, on revient donc, pour le mode TE. Donc, on suppose que X égale à 0. Voilà, c'est ce qu'on mentionnait dans ce paragraphe-là. Donc, on va éliminer, si vous voulez, toute cette expression parce qu'on n'aura pas besoin de X. On aura juste ces termes-là. Donc, suivant Y, suivant Z. Suivant Y, suivant Z. Donc là, on va rentrer dans le vif du sujet. C'est-à-dire, pour résoudre ces deux dernières équations, nous utilisons la méthode de séparation des variables. Donc, elle consiste en quoi, cette variable? On commence par EY. Donc, la séparation de variables. EY, donc, ça va être un truc en fonction de x, un truc en fonction de y, et une fonction, bien un truc en fonction de z. Donc, fonction de x, fonction de y, fonction de z. Alors, à ce moment-là, on va développer cette structure-là. On va avoir celle-là, suivant y. Voilà. Donc, si on va dériver y par rapport à x carré, voilà. Ce qu'on trouve. On va faire la même chose par rapport à y au carré et la même chose par rapport à z au carré. Donc, on va remplacer justement dans cette expression-là. Voilà. Donc, on a développé ce terme-là, ce terme-là, ce terme-là. Donc, ce sont ces termes-là. On va remplacer tout ça dans cette expression-là. On aura celle-là. Voilà, on aura celle-là. Et là, on va composer aussi le gamma 0. Donc, il va être exprimé. Donc, suivant trois axes donc, dans lesquels notre structure elle est placée. Donc, suivant gamma x au carré plus gamma y au carré plus gamma z au carré. Ce qu'on appelle la méthode de séparation de variables. Très bien. Très bien. Bien. Alors. Alors, donc une fois trouvé toutes ces équations-là, on va passer directement à la solution générale de ces trois équations-là. La première, elle évolue en fonction de x. Donc, on aura cette expression-là. Juste un terme de propagation suivant x. Celle-là, pourquoi l'expansion est tout simplement classique? C'est parce que x, elle est illimitée. Et comme y, elle n'est pas limitée, nous allons voir que y, dans la structure, voilà, pardon, elle est limitée entre 0 et y1. Et la même chose, z, elle est limitée entre 0 et z1, alors que x n'est pas limitée. Donc cette limite impose la présence ou l'apparition des termes en cosinus hyperbolique et sinus hyperbolique à cause de la limitation de la structure du point de vue z et y, mais pas au niveau de x. Donc, ça c'est connu. Ok? Donc le y, donc comme je l'ai mis tout à l'heure, égale x fois x de x, y de y fois z de z. Donc je vais remplacer l'expression de y par x de x, y de y, z de z. Donc je vous renvoie toujours vers le polycopie. Donc il est dans le site du département d'électronique, université de Batna 2, pour voir un petit peu pourquoi cette expression elle prend cette forme-là. Donc on aura en fin de compte ce produit-là, ces trois. Ah, là où commence maintenant le principe du guidage. D'accord? On va jouer avec les limitations du guidage. Le guide est limité du point de vue Y, comme je l'ai dit tout à l'heure, entre 0 et Y1. Et du point de vue Z, il est limité entre 0 et Z1.
C'est-à-dire, à partir de z égale à 0 ou bien z égale à 1, le champ égal à 0. Parce qu'il ne peut pas sortir, donc il est limité, il est réfléchi. Il ne va pas en dehors de la structure. Donc, EY est égal à 0, soit c'est pour z égal à 0 ou bien z égal à 1. Je reviens à cette structure-là. Pour mieux comprendre un petit peu le phénomène physique ou bien le sens physique. Donc, le champ, il est confiné à l'intérieur de la structure. À partir de z1, ou bien à partir de 0, 0, il est placé là. Je vais l'ajouter, hein, pour que vous puissiez bien comprendre. 0, il est là. Voilà. Donc, à partir de 0, donc on est à l'extérieur du guide. À partir de z1, on est à l'extérieur du guide. À partir de 0, on est à l'extérieur du guide. À partir de z1, de y1 aussi, on est à l'extérieur du guide. Donc, c'est pour cela, l'expression de y, voilà, elle s'annule pour z égale à 0 et z1. Alors, directement, si on va examiner cette expression-là, on aura c1 égale à 0, donc on va annuler celle-là. Z égale à z1, donc on aura y, z est égal à j1p, z1. C'est-à-dire, si je remplace y, z là, pardon, je pense qu'il y a une autre erreur. Hein. Je vais la corriger. Pardon, 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 pardon. Ah oui, il y a une erreur. Donc, s'il vous plaît, il faut corriger ça. Je n'ai pas fait attention. Donc, ça, c'est un z. Ça, c'est un. Pas si on crée Z comme ça. Voilà. Donc je vais, je pense, refaire le truc parce que ça ne m'a pas vraiment. Donc il faut que je vende quelque chose de présentable là. Hein. Donc il faut remplacer, si vous voulez, ça par Z, hein, Z directement, voilà, comme ça. Voilà, c'est mieux. Et ça par. Même les indices, hein. Donc vous corrigez ça, c'est Z. Ça, c'est Z. Si vous voulez. Donc, je vais vous lire. Donc, Y, Z, Z. Pardon, gamma Z, Z. Et gamma Z fois Z. Là aussi, la même chose. Il faut remplacer ça par. Donc, Z. Par z donc z donc on y va tout doucement et ça z donc dans votre polycopie si vous voulez s'il vous plaît il faut corriger ça c'est gamma z z gamma z z gamma z z gamma z z donc si je remplace justement le gamma z là on va effectivement obtenir un truc égal à 0. Donc, pour la composante EZ de Z, nous utilisons l'équation de Maxwell, c'est-à-dire Gauss par exemple, le Laplacien de égal à 0, hein, si on considère un milieu sans charge. Donc, tant qu'on a EY, on peut facilement trouver EZ par l'utilisation de l'équation de Maxwell, la deuxième, hein, ce qu'on appelle l'équation de Gauss, Maxwell-Gauss, okay? Ou bien l'équation de Maxwell-Gauss électrique. Voilà. Donc, il faut effectuer l'intégration et la dérivation dans cette expression-là. On peut avoir le z, lui aussi, est égal à 0 pour y égale à 0, y est égal à y. Donc, c'est-à-dire, on aura gamma y est égal à gnpy y pour différentes valeurs de n variant de 0 plus ou moins 1 plus ou moins 2, ce qu'on appelle les entiers naturels relatifs. OK? Là, on place le gamma y par cette expression-là, on aura un truc qui va être égal à 0. Voilà. Alors, donc, E a pour composante, donc x est égal à 0, parce que de toute façon, c'est une propagation transversale, hein, donc il n'y a pas de composante longitudinale. Y peut avoir cette expression-là. EZ, celle-là. Bien sûr, en complément, le H aussi, et donc si on tient compte des équations de Maxwell, on peut démontrer facilement que le HX est égal à cette expression, HY celle-là, HZ celle-là. Voilà. Donc, je répète, en résumé, donc on calcule EY, hein, on calcule EZ,
Le plus important, le guidage est conditionné par Y est égal à 0 lorsque Z est égal à Z0, pardon, Z est égal à Z1. Le EZ est égal à 0, condition de guidage, donc il faut que Y est égal à Y0, Y est égal à 1, donc c'est-à-dire à partir de 0, Y1, Z1, il n'y a plus de champ, soit au niveau de Y ou bien au niveau de EZ. L'autre truc, donc il suffit de suivre un petit peu cette méthode-là parce qu'elle n'est pas vraiment difficile. Donc enfin, arrivé à l'expression de E. Et le h, donc si on utilise le rotationnel, par exemple le 2h est égal à y, la dérivée de e par rapport à t, vous aurez facilement cette expression-là. Voilà. Pardon, cette expression, c'est celle-là. C'est h. C'est-à-dire, si on connaît e, on peut déterminer h. Voilà. Alors, les expressions de e et h forment ce qu'on appelle le mot TEMN. Donc, c'est parce qu'on a toujours des conditions de guidage. Il y a l'apparition, si vous voulez, je répète, de M et de N. Pour différentes valeurs de N et de N, variant de 0 jusqu'à plus ou moins l'infini, à condition que ces valeurs-là soient antinaturelles relatives. Donc, ces différentes M permettent d'annuler le E et le H. C'est pour cela qu'on parle du mode TEMN. Donc, M représente le nombre de demi-cycles dans la direction des Z. Voilà, parce qu'il est suivant. Il accompagne le Z. Et le N représente le nombre de demi-cycles dans la direction des Y. Bon, j'informe mes étudiants, c'est pas facile de comprendre ce que je suis en train de dire, parce que ça nécessite vraiment plusieurs façons pour réviser ce cours-là. Voilà. Et bien sûr, je vous renvoie toujours à Internet, Google. Vous trouvez tout ce qui. Informations quantitatives concernant le concept d'onde électromagnétique, surtout au niveau des mondes, hein, TEMN, ce qu'on appelle transverse électromagnétique généralisée. Voilà. Alors, le deuxième volet, si vous voulez, ce chapitre-là, ça concerne les constantes de propagation. Donc, on a dit tout à l'heure que la constante de propagation complexe, c'est gamma 0. Donc, si on fait la projection suivant x, y, z, on aura ça. Maintenant, dans notre cas, on s'intéresse aux propagations suivant x. Voilà. Comme le y, donc il est là, il est donné tout à l'heure. Hein, voilà, il faut que vous ayez quand même une idée. Il est là, voilà. Fonction de 1, y1. Le gamma z est la fonction de 1, pz1. Hein, voilà, on va le retrouver ici de nouveau. Voilà. Voilà, il est là. Très bien. Donc, on aura le gamma xmn général. Donc, si je remplace dans ça. J'aurai ça. J'ai dit tout à l'heure que gamma représente la constante de propagation complexe. Donc, elle est sous la forme de partie réelle qui représente l'atténuation et partie imaginaire qui représente la propagation. Donc, si gamma x de mn égale à alpha x de mn, on appelle ça le mode atténué. Donc, il n'y a pas de propagation. En anglais, c'est cut-off. Cut-off. C, gamma x de mn est égal à j bêta x de mn, on appelle ça le mode propagatif. Donc, il y a une propagation. Alors, donc, pour la fréquence de coupure, qui est un paramètre très important, c'est lorsque la constante de propagation complexe s'annule pour obtenir la fréquence de coupure. Donc, on va annuler gamma x, mn égale à 0. J'aurai tout ça, il est nul. Voilà ce qu'on appelle donc fc, coupure mn, elle est là. Parce qu'oméga est égal à 2 pi fois f. Lorsque j'annule ça, oméga, ça devient oméga c, coupure, coupure, rien, pas de propagation, coupure. Donc, la fréquence de coupure, c'est à partir de laquelle il n'y a plus de propagation. Voilà, fréquence de coupure, elle coupe l'information. Voilà. Donc, elle est exprimée sous cette expression-là. Ça, c'est important. Donc, vous allez voir peut-être dans le TD, Inch'Allah, avec correction. Que FCMN, elle permet d'avoir dans une telle structure avec ses dimensions Y1 et Z1, parce que ça limite les dimensions du guide, pour avoir les différents modes qui peuvent se propager, si vous voulez, dans cette structure-là. Voilà. Il y a un deuxième exemple, ce qu'on appelle la propagation des ondes quantiques dans les guides d'ondes cylindriques. Donc, il s'agit de la modélisation de la propagation des ondes quantiques. Dans les structures cylindriques. Voilà. Donc, en résumé, c'est un cylindre. Donc, la modélisation va être effectuée en fonction des coordonnées cylindriques. Donc, il y en a la direction de propagation, il y en a tout ce qui est cercle et angle. Hein.
Le cercle est condensé par R, le rayon, et l'angle, c'est celui-là. Celui-là, donc je peux l'appeler par exemple le phi. Hein. Par exemple, je peux l'appeler, voilà, phi. Je peux l'appeler phi. Voilà. Alors, le plus important dans cette structure cylindrique, on ne va pas parler du mode TEMN, on parle du mode TMN, c'est-à-dire transverse magnétique de type E, c'est-à-dire à ce moment-là, EZ égale à 0. Pardon, EZ différent de 0, mais HZ, donc la direction longitudinale, égale à 0. L'équation d'Hondt, elle est donnée tout à l'heure comme ça. Avec gamma 0, elle est toujours comme ça. Ça ne pose aucun problème. Encore dans les cylindriques. Donc, il faut exprimer l'appellation de E en coordonnées cylindriques. Voilà R, EZ, I, phi. Voilà, je répète, voici les coordonnées sphériques. R, Z, I, phi. Donc, le Laplacien en coordonnées sphériques de E, d'un vecteur, s'écrit comme ça. Donc, je vais remplacer ça dans cette équation-là. On aura cette expression. Cette expression, elle a comme solution z en fonction de z, phi en fonction de phi, et r en fonction de r. C'est comme on a fait la séparation de variables, mais pas en coordonnées cartésiennes. Le guidon rectangulaire en coordonnées cartésiennes, c'est x de x fois y de y fois z de z. C'est cartésien. Comme là, c'est les coordonnées sphériques, pardon, cylindriques, c'est z de z, phi de phi, r de r. Voilà, c'est quelque chose vraiment d'extraordinaire, les mathématiques. Si on n'a pas ça, on ne peut rien faire, croyez-moi. C'est pour cela que je compte, comment dirais-je, non ça. C'est-à-dire non ça, je ne sais pas comment, peut-être choisir un autre mot. Inviter, ou bien encourager, ou bien donner des conseils, de conseiller mes étudiants à revoir tous ces formalismes de base mathématiques. C'est vraiment c'est le secret de la réussite, hein. Vous voyez donc le guide rectangulaire x de x, y de y, y de z, en tenant compte toujours de l'équation de propagation généralisée, c'est-à-dire dans le cas d'un milieu avec perte. Et la même chose par rapport au guide cylindrique, si au lieu de travailler avec les coordonnées cartésiennes, on travaille avec les coordonnées cylindriques. Voilà. Le z, donc c'est cette expression-là. On retrouve toujours le gamma 0 suivant z. Le phi de phi, c'est celle-là. Et le R de R, ah, alors là, ça c'est quelque chose d'extraordinaire, donc c'est la fonction de Bessel. Donc, les conditions limites, donc on va conditionner C2 égale à 0, hein, on va prendre que cette expression-là. Donc là, si vous voulez, les conditions de guidage, il faut revoir la structure. C'est-à-dire, elle est conditionnée par le R. Le R, il est compris entre 0 et A, ok, c'est le rayon du cercle du cylindre, hein. Si R est égal à A, réflexion, pas de propagation à l'extérieur. Donc R égale à A, c'est-à-dire le champ égal à 0. C'est ça la structure de guidage. Le champ restera guidé dans la structure, il ne sort pas. Pas comme les antennes, il est rayonné ailleurs. Donc il n'y a pas de condition de guidage, c'est la condition libre. Par contre, ceux du guide d'onde rectangulaire ou bien cylindrique, il reste confiné à l'intérieur, il ne sort pas. Donc R, lorsqu'elle est égale à A, c'est le maximum ou bien supérieur à A, donc égal supérieur à A, donc le champ égal à 0. Donc c'est pour cela, le RA, donc lorsque je remplace le R, petit r par A, donc cette expression-là, donc le R égale à A, R de A, c'est-à-dire il faut remplacer le R par A, c'est égal à 0, c'est-à-dire que le champ égale à 0. R de A égale à 0, le E de Z égale à 0. Cela nous donne le gamma C, qui est la différence, donc coupure, hein, ce qu'on appelle la constante de propagation complexe coupure, hein, elle est en fonction de gamma 0 moins gamma z. Alors, donc, je fais une transformation, sans entrer dans les détails. Le R de R peut s'exprimer comme ça. Donc, où le xm, voilà, il est là, c'est les valeurs pour lesquelles la fonction Rx de mn s'annule. Donc, J de M, c'est celle-là. C'est X, c'est R fois gamma C. Il faut juste suivre. Hein? Égal à 0 pour différentes valeurs de X. C'est parce que les fonctions de Bessel sont connues. C'est des fonctions tabulées. Un tableau
Pour différentes valeurs de m n variant de plus ou moins 0, 0 jusqu'à plus ou moins 1, plus ou moins 2, donc ce qu'on appelle le z, donc les entiers relatifs, plus ou moins 1, plus ou moins 2, plus ou moins 3, ainsi de suite. Et chaque x de mn, elle est donnée dans un tableau. Il suffit de remplacer xmn là, facilement, pour trouver l'annulation, si vous voulez, de la fonction de Bissell et par la même occasion l'annulation de Z. Donc en résumé, tout simplement, il faut mettre A à la place de R. À ce moment-là, on aura un guidage. Donc pour autre chose, pour les autres explications, c'est juste un complément. Ok? Voilà. Pour la fréquence de coupure, donc il faut toujours annuler la constante de propagation. Tout à l'heure, on a annulé gamma X parce qu'on a considéré que la propagation dans les guides rectangulaires, elle est suivant X, mais là, elle est suivant, voilà, comme vous le voyez, suivant Z. Donc c'est pour cela qu'on annule le gamma Z égal à 0. Qu'est-ce qui se passe? Que va-t-il se passer lorsque gamma 0 égale à gamma Z, pardon, égale à 0? Donc gamma Z, elle est là. Donc je vais la récupérer. Voilà pour que je ne me trompe pas. Voilà, elle est là. Donc il suffit d'élever ça au carré. Gamma C au carré, elle est égale à. Donc on peut la trouver gamma C où elle est. Gamma C où elle est. Donc je vais la chercher. Gamma C où elle est. Voilà. Elle est là. Elle est là. Elle est là, c'est x égale r fois gamma c. Ok. Donc gamma c, c'est égal à x sur r. Hein? Voilà. Gamma c, elle est là. C'est x sur r. Mais lorsqu'elle est annulée, le petit r sera remplacé par petit a. Hein? Voilà. Donc gamma z, ça sera donc. Elle est là. Je pense. Écoutez, un petit problème, je pense. Donc gamma z égale à 0. Gamma, voilà, gamma z égale à 0, quand gamma z, voilà, tout simplement. Donc gamma c, donc ça c'est, je pense, le a au carré, hein. Il y a un problème là. Ah, là. Donc je vais rectifier le tir. Donc il faut suivre avec moi, c'est comme je suis dans la classe, hein, ok? Donc gamma z égale à 0. Donc, quand gamma z, lorsque j'ai mis ça au carré, donc on aura gamma c au carré, c'est égal à gamma 0 au carré, moins gamma z au carré. Donc, gamma z égale à 0, c'est gamma z égale. Ça, c'est au carré, je pense. Non, non. Oui, absolument, absolument, absolument. Donc, gamma c au carré. Alors, je remplace le tout. Donc, gamma 0, il est connu. Donc, tout à l'heure, il est donné par cette expression-là. Moins. Cette expression-là, les garder, on ne bouge pas. Hein. Tout ça égale à 0. Voilà, gamma z égale à 0. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, c'est gamma 0 moins xmn. Donc, il faut juste suivre. Hein. On aura cette expression-là qui est égale à 0. Voilà, parce que j'ai compliqué un petit peu les calculs par le radical. Mais si je vais vraiment suivre tout doucement, j'aurai cette expression-là. OK. Donc, ça tient debout. Donc, là, je vais extraire le gamma c qui représente la pulsation angulaire de coupure. Hein. Voilà, c'est x1. Donc j'enlève le carré. Voilà, je lève le carré. Ça, c'est la règle. Donc il faut corriger. Donc A, c'est ça, c'est au carré. Hein. Donc ça, c'est A au carré. Donc il y a une erreur. Ça. Au carré. Au carré. Ça aussi, E. Au carré. C'est ça l'erreur donc que je suis en train de chercher. Donc à ce moment-là, gamma c, donc le x, le carré, donc on va éliminer le carré, là aussi le carré, on aura gamma c, elle est égale à celle-là. Voilà, ça c'est correct. Hein. Ça c'est correct. Voilà. Donc il faut suivre, il faut juste suivre. Hein. Donc fc, comme oméga c est égal à 2π, voilà, ça c'est le 2π, donc fc, on peut l'extraire à partir de oméga c. Hein. Je répète, oméga c est égal à 2π fc. Donc il suffit de diviser celle-là par 2π. Voilà. Et ça tient debout. Voilà, ça tient debout. Et le lambda c, c'est la vitesse que divise fc. Donc c'est 2π a sur xmn. Voilà.
parce que la vitesse, donc, elle est égale à 1 sur racine carrée mi epsilon. Donc le lambda c, c'est l'inverse de cette expression-là. C'est 2π sur xmn. Donc c'est 2πa, plutôt 2πa sur xmn. Parce que v est égal à 1 sur racine carrée mi epsilon. Donc je fais l'inverse, le fc. Donc prendre le dénominateur. Et lambda c, ça sera donc 2πa sur xmn. Donc, je pense que le carré, c'est la seule erreur. Il faut juste suivre tout doucement à partir de gamma z de là jusqu'à là. Suivre tout doucement et tout doucement. Et vous aurez affaire à FC. Je répète, donc FC représente la fréquence à partir de laquelle il n'y a plus de propagation. Voilà ce qu'on appelle la fréquence de coupure. Bien. Je ne sais pas. Donc, il y a un autre aussi volet. Donc, le. Que va-t-il se passer? Donc ça, c'est lorsque gamma est égal à 0, on obtient une coupure. Que va-t-il se passer si gamma z est supérieur à 0? Donc, on aura que oméga, donc inférieur à oméga c. Donc, lambda, c'est l'inverse. Donc, là, gamma z, ça sera un réel. Hein, donc, on prendra une valeur réelle. Là, ce qu'on appelle le monde atténué. Lorsque gamma z au carré est inférieur à 0, donc là, c'est imaginaire, on aura le mode propagatif. Donc, en fonction de la fréquence de coupure, on peut avoir une idée sur la propagation. Si on a des fréquences inférieures à la fréquence de coupure, comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'aura pas une atténuation. C'est un mode atténué. Mais lorsque les fréquences dépassent ceux ou là bien celles de la fréquence de coupure, à ce moment-là, on aura propagation. Donc, j'ai dit tout à l'heure, la fréquence de coupure, c'est la fréquence à partir, plutôt inférieure, mais mouche à partir de laquelle. Inférieure à sa valeur là, il n'y a plus de propagation. Il faut, toutes les fréquences qui sont propagées devront être supérieures à la fréquence de coupure pour avoir un mode propagatif. Ça, c'est correct parce que tout à l'heure, j'ai fait une petite confusion, mais là, je corrige. Donc, la fréquence de coupure représente la fréquence, toutes les fréquences qui sont inférieures à cette fréquence-là, il n'y a plus de propagation. Toutes les fréquences qui dépassent cette fréquence de coupure, il y a une propagation. Voilà. Et enfin, la solution finale. Elle est donnée par celle-là. Voilà. Ça, je ne pense pas que j'ai mis les détails, parce que j'ai insisté beaucoup plus sur le terme R de R. Bon, vous avez le Z de Z, le phi de phi, le R de R. Vous pouvez facilement retrouver cette expression-là. On aura l'association d'une onde incidente, parce qu'il y a un terme en moins G, gamma 0 Z, et il y a un terme onde réfléchie en fonction de G, gamma 0. Tout simplement parce qu'on a tenu compte quand même des pertes de sigma. La présence de gamma, tant qu'il y a des pertes, il y a des réflexions, c'est pour cela qu'on pourra facilement avoir une onde incidente, une onde réfléchie dans le gant des ondes cylindriques. Voilà. Peut-être juste il me reste une petite remarque, si c'est possible de la faire, je vais confirmer. Au niveau de celle. Voilà. Donc, non, non, pas de problème, pas de problème, pas de problème. Donc, on reste sur ce niveau-là. Voilà. Voilà, très bien, très bien. Donc aujourd'hui, donc on a étudié, si vous voulez, donc en résumé, la propagation hein, dans les guidons. On a la structure rectangulaire. Le plus important dans tout ça, c'est surtout le deux points essentiels. Le premier, c'est la fréquence de coupure. Bien sûr, les expressions, hein, parce que c'est l'objectif. Et surtout, la fréquence de coupure, celle-là, c'est important. Donc, si on maîtrise un petit peu le formalisme de fréquence de coupure, on peut facilement calculer les différentes ondes qui peuvent circuler dans les guidons rectangulaires, ainsi que leur monde nm, et en fonction des dimensions y1, z1. Voilà. Et pour les guidons cylindriques, le plus important aussi, c'est surtout cette expression-là, et beaucoup plus celle-là. Voilà, séparation de variables cylindriques, si vous voulez. Et surtout, celle-là, ce qu'on appelle la fonction de Bessel. Voilà, j'ai donc ça représente la fonction GM. GM, c'est la fonction de Bessel d'ordre M. Et là, il faut corriger le carré, le carré. Et la fréquence de coupure qui est importante. OK. Voilà, et on termine ça avec bien sûr l'apparition dans les guides d'ondes cylindriques d'une onde réfléchie plus onde incidente ou bien incidente plus l'onde réfléchie. Donc champ incident et champ
réfléchir. Donc, je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous pour la vidéo suivante. Merci beaucoup. Barakallah.